Dans les couloirs de l'Assemblée, les membres du directoire d'Air Corsica suivent les débats sans suspense ni surprise. Le couple Air Corsica Air France, seul candidat, continuera de s'envoler sur les lignes de service public pour 4 ans minimum. Très peu de discussions puisque le contrat prévoit notamment une baisse significative du tarif résident de 260 euros à 190 sur Paris et de 160 à 99 sur les lignes de bord à bord. Aujourd'hui, on est à 21 euros hors taxe le tronçon sur le bord à bord. Je crois qu'on ne peut pas faire plus bas. L'Europe nous l'a bien dit. C'est le tarif le plus bas qui puisse être réalisé aujourd'hui. Si la baisse du tarif est importante, la compensation financière annuelle dans le cadre de l'enveloppe de continuité territoriale augmente de 10 millions d'euros. La négociation a été longue. Un effort est demandé aux compagnies. On nous a demandé des efforts et il nous appartient donc de les faire sur le plan de notre organisation, sur le plan de nos coûts de production, bien sûr. Nous avons bien entendu dans notre offre, et nous l'avons retravaillé avec les services de l'Office des Transports, pris en compte la célèbre élasticité de la demande au prix. C'est-à-dire que ces tarifs, en baisse certes, vont aussi générer de la demande supplémentaire. Alors que plusieurs compagnies aériennes éprouvent des difficultés, Air Corsica, bâti il y a 30 ans pour le service public, doit sa santé financière à cette délégation, qui représente 85% de son trafic.